Bonjour, bonsoir, je publie aujourd'hui cette vidéo sur ma chaîne principale parce que c'est celle où j'ai le plus d'abonnés et donc de visibilité. Je me doute bien que le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, Percy Jackson, ne va pas du tout intéresser mon public Sotor. Cependant, je pense que cette vidéo intéressera les personnes appréciant la licence Percy Jackson et qu'elle commencera à avoir des réels retours plusieurs mois après sa sortie. C'est une vidéo publiée pour fonctionner dans la postérité en quelque sorte. Je commençais à m'ennuyer pendant le confinement et j'ai décidé de ressortir un livre que j'ai beaucoup apprécié quand j'étais plus jeune et que j'apprécie encore aujourd'hui. Percy Jackson. Donc certes, c'est de la littérature pour ados, mais je trouve que c'est bien écrit et que c'est franchement un récit initiatique intéressant avec pas mal d'aventures et que c'est vraiment pas mal. Du coup, j'ai relu le premier et j'ai carrément décidé de me refaire les 5. Et alors que j'étais en pleine lecture, Rick Riordan annonce sur Twitter qu'il a signé un partenariat avec Disney+ pour faire une série Percy Jackson. On a enfin obtenu ce qu'on voulait et c'est super cool. Cependant, j'ai envie de vous rappeler que Percy Jackson a déjà été adapté au cinéma et avant d'écrire cette vidéo, je ne m'en rappelais même plus. J'avais vu cette adaptation quand j'avais 10 ans, d'ailleurs j'avais trouvé le film déjà pas terrible à l'époque, mais j'avais effacé de ma mémoire son histoire. Et pour le bien de cette vidéo, je l'ai revu. Et je me suis dit que Percy Jackson était sûrement une des pires adaptations de ces 10 voire 20 dernières années. Comme l'a montré Michael J. dans son émission Fermez-la, une mauvaise adaptation ne fait pas forcément un mauvais film, et une bonne adaptation n'en fait pas forcément un bon film. Cependant, avec Percy Jackson le voleur de foudre, on cumule mauvais film avec mauvaise adaptation. J'ai réfléchi à comment faire cette vidéo, et je me suis dit que nous allions tout simplement dérouler le film dans l'ordre chronologique, afin de relever les points qui ne vont pas du tout dans le film. Parce que oui, si je faisais une partie bon point mauvais point, la première partie ferait 2 minutes et la seconde durerait 30 minutes. Donc, ne perdons pas plus de temps, et commençons dès maintenant. Poséidon, ça fait bien longtemps, si ton fils est le voleur, je l'enverrai dans les profondeurs des enfers. Si tu oses toucher à mon fils, tu livreras le plus dur combat de ta vie. Numéro 1, la raison de la guerre. Le film s'ouvre sur une discussion entre Poséidon et Zeus, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. C'est sûrement plus impactant de faire ça que de directement te montrer Percy dans son collège à Yancy. Enfin bref, et là arrive le premier problème du film, qui est tout de même assez important, c'est la raison de la guerre entre les dieux. Dans le livre, c'est Zeus, complètement parano, qui pense que Poséidon a demandé à Percy de voler l'éclair pour ensuite en faire des copies dans les forges sous-marines. Voilà la raison de la guerre, qui semble plutôt logique. Dans le film, la guerre serait déclenchée par Zeus qui s'en prend à Percy. Oui oui, pourquoi ils ont pas juste fait comme dans le livre sérieux? Changer un dialogue c'est compliqué? Parce que là on entend bien que c'est si Zeus touche à un cheveu de Percy, alors Poséidon lui déclarera la guerre. Nous n'avons pas le droit de nous voler nos pouvoirs, mais nos enfants en ont le droit. Tu accuses mon fils. Je ne l'ai pas revu depuis le temps où il était bébé. Il ne me connaît pas, il ne sait même pas qui il est à cause de toi. Numéro 2, le pacte des trois grands. C'est un élément extrêmement important dans le livre. Je veux dire que c'est la raison pour laquelle Talia, Percy ou Nico D'Angelo ne devraient pas exister, car ils sont trop puissants. Mais dans le film, bah on s'en fout littéralement, il n'existe carrément pas de pacte, alors que cette prophétie sera l'objet principal du 5ème Percy Jackson, le dernier Olympien. J'aimerais mieux passer toute la journée sous l'eau plutôt que dans ce bahut. T'as raison, c'est pas trop l'ambiance de High School Musical. Tous les jours c'est la même chose, regarde ça. Numéro 3, Percy est au lycée. Là encore un détail qui peut paraître sans importance mais qui ne l'est pas. Percy est en 6ème dans le premier bouquin et c'est ça qui va permettre à tous les collégiens de s'identifier au héros car il est courageux et tous les exploits qu'il accomplit n'auraient pas pu être faits par des gosses normaux mais seulement par des enfants de divinités surpuissantes. Dans le film, Percy est lycéen. L'acteur qui l'incarne, Logan Lerman, avait 18 ans en 2010 quand le film est sorti. En gros, alors que Percy est censé être un jeune adolescent dans le livre, là, eh bien, on a en face de nous plus un jeune adulte qu'un réel enfant, ce qui désacralise un peu les exploits qu'il accomplit. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que Shakespeare essayait de faire comprendre dans cette réplique tirée d'Othello? Percy Jackson? Alors? Numéro 4, c'est cliché comme pas possible, enfin,
Comme par hasard, cette foutue Madame Dodds interroge le héros alors qu'il y a 15 autres élèves qui lèvent la main. Plus cliché que ça, tu meurs. D'ailleurs, on est censé être en fin mai, voire début juin quand le film débute. Pourquoi un nouveau professeur arrive à cette époque de l'année? Y a que moi qui trouve ça pas cohérent du tout. Salut maman, c'est moi. Je suis à l'étage, mon chéri. Bonjour. Salut maman. Comment ça a été au lycée? Comme d'habitude. Numéro 5, il est pas en pensionnat? Comme le troisième point, détail important du bouquin. Si Percy ne reste pas toute l'année à la colonie des sans-mêlés à la fin du premier livre, c'est parce qu'il compte aller dans un collège privé de New York, où il pourra voir sa mère tous les jours, contrairement à son année de 6ème où il était en pensionnat à l'Institut Yancy. Après, ce point est compréhensible, dans le sens où fallait bien trouver un moyen de développer la relation entre Percy et sa mère. Femme! Salut Gabi. Où est ma bière? Dans le frigo. Et alors, elle va s'envoler par magie hors du frigo et atterrir dans ma main? Brouille-toi. Numéro 6, Gabi est la chose la plus réussie du film. Et je ne rigole même pas. C'est un peu comme dire que Jar Jar Binks est le truc le plus réussi de Star Wars La Menace Fantôme. C'est un alcoolique macho qui ne fait rien de sa journée à part jouer au poker. Détestable comme dans le livre, tout compte fait. Tiens-toi prêt. Tout va bientôt changer, Percy. Tout va bientôt changer. Numéro 7. Poséidon intervient? What? Alors là, faut en m'expliquer, parce que là, on pisse littéralement sur les livres. Si Luke se rebelle contre les dieux pour servir Chronos dans les livres, c'est parce qu'il les trouve égocentriques et il est malheureux du peu de contact qu'il a avec son père. Comment tu veux retransmettre ce mal-être si au bout de 10 minutes de film, tu as Poséidon qui parle mentalement à Percy et qui fait son stalker? C'est indispensable, non? D'ailleurs, cette phrase, prépare-toi, vient du deuxième bouquin, en lettres transmises par Poséidon à Percy. Je sais pas pourquoi ils ont essayé de faire un mix entre les deux livres dans un seul film, ça a vraiment pas de sens. Quelqu'un peut-il me dire comment on les appelait? Percy? Percy. Oh, pardon, quoi? Quoi, monsieur Brenner? Numéro 8, Percy est insupportable. Je veux dire qu'il a tout de l'ado cliché, et c'est pas croyable de mettre ses vieux écouteurs pendant une visite au musée. Si le livre permet de t'identifier au personnage principal, c'est parce qu'il n'est pas antipathique comme dans le film. Percy a certes des défauts, mais il suit son instinct et son cœur, ce qui fait de lui un héros loyal auquel on s'attache. Là, on voit juste un mec de 18 ans qui s'en bat les reins d'une visite avec son lycée. Bon, au moins, ça permet de montrer qu'il arrive à lire le grec ancien, ce qui est plutôt un point positif. Faut que je fasse avec ça. Bouge-toi. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Chut. Écoute, ne fais confiance à personne, compris? Ouais. Sally, Percy doit partir maintenant, vraiment maintenant. Je venais de quitter le lycée, je travaillais dans le New Jersey quand on s'est rencontrés. Numéro 9, c'est quoi cette exécution moisie? Là on ne s'attaque pas à un problème d'adaptation mais bien à un problème cinématographique. Étant donné que le scénario est mal écrit, on passe d'un lieu à l'autre sans trop de fil conducteur, et ça fait que le film est super étrange à suivre. Quand je l'ai regardé, j'avais l'impression de regarder deux scènes collées, sans réelle transition ou raison logique, qui pousse les héros à se rendre en différents lieux. Sérieux, c'est super bancal pour un film hollywoodien. Non, Percy, prends ceci pour te défendre. C'est une arme d'une grande puissance. Veille bien sur elle. Ne l'utilise que lorsque tu cours un grave danger. Un stylo à billes? C'est un stylo à billes. Conduis-le à sa mère. Et surtout, ne le perds jamais de vue. Ça marche. Percy, suis-moi. Suis-moi vite. Dépêche-toi. Mais c'est dingue ça. On y va. C'est un stylo ça, mon vieux. Qu'est-ce que... Numéro 10, l'humour. Alors, on en reparlera de ce point, mais la vache, l'humour dans ce film, c'est bien pire que dans un Avengers 2. Ça rend toutes les scènes cringe au possible, en fait. C'est toi qui as volé l'éclair! Je ne sais pas de quoi vous parlez! Numéro 11, les acteurs jouent mal. Sérieusement, qui réagit comme ça quand il y a une furie qui t'attaque? Logan Lerman surjoue à certains moments, notamment avec la harpie, et quand sa mère disparaît, bah il s'en remet en quelques secondes, tranquillement, alors que c'est un élément essentiel du livre qui va pousser Percy à aller aux enfers. Le livre transmet 100 fois plus d'émotions que le film en fait. Genre bah là, on s'en bat un peu les roustons qu'il ait perdu sa mère. Oh. Ah. Ah.
Numéro 12, il avait simplement à ramasser l'épée. Link the Sun avait déjà relevé cette incohérence dans une de ses vidéos, donc on va pas trop s'attarder là-dessus, mais pourquoi Percy prend la corne au lieu de l'épée? Le fait qu'elle soit à côté du Minotaure n'est pas une raison en soi, puisqu'il est sonné, et donc qu'il aurait eu le temps d'aller la chercher. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fout Grover pendant ce temps-là? Enfin, je veux dire, dans le livre, il est KO quand Percy est attaqué par le Minotaure, et c'est d'ailleurs ça qui ne lui permettra pas d'obtenir directement son permis de chercheur. Comment elle s'appelle? Elle t'écrasera comme un moustique. Comment elle s'appelle? Numéro 13, Annabeth. Alors là, on atteint le summum dans le cringe et dans la débilité cliché avec cette scène. Oh bordel, comme c'est insupportable et cliché. Le héros qui flash sur une meuf, qui fait apparemment des 4v1 tranquillement, et qui écrase les autres comme un moustique. Je ne sais pas si c'est une erreur de casting avec Alexandra Daddario, si c'est une erreur d'écriture des dialogues, ou si c'est une erreur de montage avec des plans tout pourris pour la mettre en valeur, mais ça fonctionne pas, il y a un truc qui colle pas. Annabeth dans le livre, déjà elle est censée être blonde et avoir 12 ans. Mais vu comment le film en a rien à foutre de tout le reste, à la rigueur ça c'est un détail. Mais c'est justement un personnage attachant de par son intelligence, son expérience à la colonie et sa complémentarité avec Percy qui va se développer au fil des romans. Quand Percy rencontre Annabeth, ce n'est pas un coup de foudre instantané, loin de là. La première chose qu'elle lui dira d'ailleurs c'est « tu baves dans ton sommeil ». Franchement, j'aurais préféré entendre cette réplique plutôt que ce plan dégueulasse pour introduire le personnage. Oh. Wow. Qu'est-ce que c'est que ces choses? Ce sont des centaures. Attends une minute. C'est Monsieur Werner? Numéro 14. D'autres centaures? Là, pour le coup, on s'attaque à un détail sans importance, mais qui m'a quand même fait tilter en tant que fan des bouquins. Chiron est censé être le seul centaure de la colonie, car le reste de son peuple, les poneys fêtards, vivent dans la nature et sauveront d'ailleurs la mise au héros dans la mer des monstres, sur le bateau de Luke, le princesse Andromède. Les voir ici à la colonie, eh bien ça fait un peu fausse note. Ça pèse lourd ce truc là. Mon père est Poséidon. Le dieu des océans. Pourquoi personne ne me l'a dit? Numéro 15. Les gens indéterminés au bungalow d'Hermès? Ça c'est déjà un détail beaucoup plus important que le point 14. Mais si vous avez lu les livres Percy Jackson, vous n'êtes pas sans savoir que le bungalow d'Hermès accueille tous les nouveaux, tous les demi-dieux indéterminés ou les enfants de divinités mineures. C'est un élément majeur du livre, surtout dans les 4e et 5e volets, qui poussera notamment Chris Rodriguez ou Ethan Nakamura, fils de Némésis, déesse de la vengeance, à passer dans le camp adverse. Percy demandera d'ailleurs à la fin du nouvel Olympien à ce que tous les demi-dieux soient déterminés. Il a troqué ça contre l'immortalité quand même. C'est quoi cet endroit? Bienvenue à la maison. Ton père a construit ceci pour toi. Numéro 16. C'est Poséidon qui a construit le bungalow? Enfin, normalement, il est même pas censé avoir d'enfants pour ne pas rompre le pacte des trois grands. Pourquoi il construirait un bungalow spécialement pour Percy? Ça a aucun sens. Et s'il n'est pas restitué avant le solstice d'été? Dans 10 jours, ce sera la guerre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux t'emmener sur l'Olympe et convaincre Zeus de ton innocence. Qu'est-ce qu'on fait ici? Allons-y maintenant. Ton intrépidité est fort louable, mais à l'extérieur de cette enceinte, tu serais en danger à tout instant. La furie et le Minotaure n'étaient qu'un début. Avant toute chose, il te faut t'entraîner. Numéro 17. Il va simplement s'entraîner 2-3 jours pour sortir dehors? C'est presque un truc que je reprocherais au livre aussi, mais c'est juste pas cohérent. Chiron veut que Percy s'entraîne pour qu'il aille le jour du solstice voir Zeus et lui dire qu'il n'a pas volé l'éclair. Il pense franchement qu'une semaine d'entraînement va changer la donne? Dans le bouquin, Percy s'attache, je trouve, trop vite à la colonie, comme si, dès le moment où il était arrivé, il s'y était senti chez lui. Mais au moins, il s'entraîne 2 semaines avant de partir, alors que là, c'est vraiment une journée. Il aura besoin d'une équipe. On va le prendre. Je suis Luc, fils d'Hermès et chef d'équipe. Pas nécessairement dans cet ordre. Numéro 18, la balafre du Luc. Cette fois-ci, c'est un point important, car la balafre du Luc montre son échec dans le jardin des Hespérides,
et donc son désir de tout détruire car c'est un méchant. Plus sérieusement, sans cette balafre, c'est comme si Luke n'avait jamais échoué. Ça fait un peu le coup du « je veux tout détruire pour rien ». J'arrive mon vieux, j'arrive. Les fils d'Arès, fais attention. Ça c'est une épée. Numéro 19. C'est quoi ces fils d'Arès de 25 piges sérieusement? Et puis, ils sont voltigeurs en plus? Waouh, ok, j'ai du mal à suivre là. Oh, oh, oh. Tu croyais vraiment que ce serait aussi facile? Numéro 20. L'absence de Clarisse et de la casquette des Yankees d'Annabeth. Pourquoi je regroupe ces deux points? Eh bien, car dans le livre, c'est parce que Clarisse se bat avec Percy qu'Annabeth peut voir ce qu'il vaut tout en étant invisible. Comme ils ont retiré ces deux éléments du film, ils ont fait le pire truc inimaginable, mettre Percy en face d'Annabeth. Ma mère est la déesse de la sagesse et de la stratégie guerrière. Tu sais ce que ça veut dire? Je gagne toujours. Numéro 21, la parlotte. Qui ferait réellement ça dans un combat un tant soit peu réaliste? Arrêtez de parler, battez-vous, on s'en bat les steaks de ta vie. Et je perds toujours. Peut-être qu'on se trompe tous les deux. Numéro 22, une victime, pas un loser. Dans le livre, Percy a pas de chance dans la vie, et il se considère comme un loser. Une scène contraste totalement avec ça dans le film. Je cite, et je perds toujours. On pourrait s'arranger? C'est une victime qui veut pas se battre là, c'est pas un loser. Numéro 23. Vous vous souvenez quand j'ai parlé du cringe tout à l'heure? Finalement, c'était pas si terrible comparé à ça. Sérieux, on dirait une vieille vidéo Minecraft, noob vs pro vs cheater. En 2 secondes, juste en allant dans l'eau, il se fait un 4v1 au calme. Oui, ça m'a coûté de regarder cette daube. Hades, restez derrière moi. Numéro 24, Hades. Étant donné que Chronos n'est pas cité une seule fois dans le film, Hades est un des méchants, ce qui n'est pas le cas dans le livre. Oui, le dieu qui s'est retourné de la prophétie de Percy est Arès, et non Hades, qui s'est fait voler son casque d'invisibilité. Ils ont totalement détourné l'histoire à partir de ce moment du film en fait. Tu vas quelque part? Oui, oui, je vais faire une balade. Une balade? Je viens avec toi. Non, 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 j'y vais tout seul. Numéro 25, pas de quête. J'accepte dans le livre que la chose qui motive Percy à aller aux enfers est sa mère, et non l'éclair primitif. Mais du coup, là, on squeeze toute la partie avec l'oracle et toute la dimension héroïque du film. Et puis sérieusement, au bout d'une journée à la colonie, il est réellement en train de fuguer? Les scénaristes ne se sont pas rendus compte que c'était complètement ridicule, là? Joli coup, je te l'ai dit, je suis ton protecteur. Ouais. Si je peux pas t'en empêcher, je dois t'accompagner, vu que je suis ton meilleur ami et ton protecteur. Apprenti protecteur. Fallait vraiment préciser. Numéro 26. Les blagues sur l'apprenti protecteur, sérieusement, c'est lourd et c'est pas drôle. Arrêtez. Luc? Bien joué. Salut les mecs. Percy, je me disais bien que tu passerais tôt ou tard. Tout le monde vient ici, simplement pour échapper à cette ambiance de festival historique là-bas, tu vois. Numéro 27. Luc est un nerd qui joue aux jeux vidéo. Quoi? Dans le film, il rejette la civilisation antique en jouant à un vieux remix de Call of Duty à 3 francs 6 sous, et c'est censé être ça la raison pour laquelle il aime pas les dieux? Ça colle pas du tout avec le personnage, je trouve. En tout cas, à partir du moment où t'as lu les 5 bouquins, tu te rends compte que ça sonne faux. Ça, c'est la carte des perles de Perséphone. Perséphone? Tu veux dire la femme d'Hadès? Oui, il l'a forcée à l'épouser. Il la garde prisonnière. Mm-hmm. Il va sans dire qu'elle déteste cet endroit. Il fait trop chaud, il est barjot. Alors elle a... des visiteurs secrets. Elle a caché des perles à leur intention dans le monde entier. Et ces perles, elles permettent de quitter instantanément les enfers. Vous pourriez vous en servir pour revenir. Numéro 28. Alors là, à ce moment, le scénario, on n'en a plus rien à foutre, puisque Luke leur donne une carte pour aller aux enfers et pour aller chercher 3 perles qui font office de MacGuffin. Si vous savez pas ce que c'est un MacGuffin, voici la définition exacte de ce terme qui a été popularisé par Hitchcock.
Le MacGuffin est un prétexte au développement d'un scénario. C'est presque toujours un objet matériel et il demeure généralement mystérieux au cours de la diégèse. Sa description est vague et sans importance. Et en gros, les perles de Perséphone du film sont des MacGuffin qui vont être un prétexte pour faire passer des épreuves aux héros. Si tu vois mon père sur la route de l'enfer. Ouais. Botte-lui le cul de ma part. Numéro 29. La cohérence de l'unité de temps. Ils partent en pleine nuit et au plan suivant, il fait jour. Ils auraient pas pu faire une ellipse ou un signe distinctif pour te faire comprendre que 7 heures ont passé entre ces deux plans? Enfin, je sais pas. Regarde ça. On dirait mon oncle Ferdinand. Ah, ça c'est dingue. Le grain de beauté à la même place. Non, c'est pas mon oncle Ferdinand parce que mon oncle Ferdinand a été tué par... Méduse. Ah. Oh. Numéro 30, Tati M est franchement pas trop mal retranscrit. On a même le droit à l'oncle Ferdinand Grover et c'est sympa puisque c'est une petite référence au livre. Après, dans le livre, c'est d'autant plus flippant que ça se passait la nuit et que Percy et ses amis étaient vraiment jeunes, donc tu les sentais en danger. Comment on peut combattre quelqu'un qu'on peut pas regarder? On peut regarder son reflet. Attends. Regarde ça. Ouais, bonne idée. Je vais chercher Annabeth. D'accord, je m'occupe de Méduse. Ça marche. Tu enrichiras merveilleusement ma collection. Numéro 31, erreur fatale. On a un combo éliminatoire, placement de produit, plus présence d'un téléphone portable. Là, c'est un élément important du livre, et c'est d'ailleurs répété plusieurs fois au fil des bouquins. Les demi-dieux ne peuvent pas utiliser de téléphone portable, car ça attire les monstres. Là, il sort tranquillement son iPod sans pression pour regarder Méduse. Ah, c'est vraiment le genre de truc qui me fait tiquer. Ça aurait été sympa que Luc nous prévienne pour Méduse. Peut-être qu'il en savait rien. Numéro 32. Ils conduisent au lieu de prendre le train. Là encore, le moyen de déplacement du trio peut paraître anecdotique, mais le fait qu'ils puissent conduire une bagnole, bah t'as juste l'impression que ce sont des adultes quoi. Mais en plus, ils s'arrêtent sur l'autoroute et Percy va dans une piscine. C'est quoi ce genre de confort? Bon, on a droit à une scène cliché entre Annabeth et Percy, j'ai même plus envie de les relever comme c'est devenu la norme apparemment, mais là on a un truc vachement incohérent. Percy est en spé heal. Alors si vous ne jouez pas au MMO et que vous ne savez pas ce que c'est, concrètement, on voit que Percy peut guérir les blessures des autres avec de l'eau. Qu'il se guérisse lui-même, je veux bien, mais alors là, c'est carrément over-cheaté. Bon, est-ce qu'aucun dieu ne rencontre ses enfants? C'est interdit. Juste après notre naissance, Zeus a décrété que les dieux ne pouvaient avoir aucun contact physique avec leur progéniture mortelle. Oh, c'est une loi imbécile. Je suis d'accord. Numéro 33, il y a une loi débile pour remplacer le pacte des trois grands. Il n'y a jamais eu de loi interdisant le contact entre les dieux et leurs enfants. On dit dans le livre que les dieux ne sont pas censés interférer directement dans le destin et dans les quêtes de leurs enfants. Ils peuvent les aider indirectement, comme Aphrodite qui a permis à Percy de quitter la colonie avec l'aide de Black Jack dans le troisième opus, qui ne verra d'ailleurs jamais probablement le jour au cinéma, lol. Tu passes à la télé. Deux personnes portées disparues, Percy Jackson et sa mère Sally Ugliano. Numéro 34, Sally Ugliano. Point purement détail sans importance, mais pourquoi? C'était difficile de mettre Sally Jackson pour montrer qu'elle voulait conserver son nom de jeune fille, parce que c'est le cas dans le livre, elle ne prend pas le nom de son mari, Ugliano. Non, oh, les mecs, je peux pas pisser avec elle qui me mate. Oh, je suis désolé, j'ai merdé un max. Numéro 35, Grover et la tête de Méduse. C'est la seule blague qui marche de tout le film. Sérieusement, les doses d'humour du film donnent envie de se pendre et en général, ça me fait pas lâcher un sourire. Du coup, le fait qu'il y ait une seule blague dans le film qui marche, bah c'est un problème. Je vais régler ça. Tu vas quoi? Oh, elle a. Écoute-moi, tu vas tuer les gardiens? Relax. Des Américains de la classe laborieuse? Numéro 36, Annabeth est un agent infiltré avec une arbalète endormissante. Qu'ils prennent la liberté d'ajouter des trucs dans le film, pourquoi pas, mais essayer de les installer avant, non? Là, on dirait simplement un Deus Ex Machina ultra cheaté. Luc! Annabeth! Comment on active les chaussures? Dis à Percy qu'il doit se mettre à courir. Il faut qu'il
qui prennent rapidement de la vitesse, tu vois, comme un avion sur une piste d'envol. Numéro 37. Skype, really? Le film se fout de notre gueule là, non? Ils auraient pas pu utiliser Iris Mail, là c'est juste énervant de voir ça. Et puis pourquoi faut qu'ils fassent comme un avion pour décoller? Ils auraient pu simplement faire comme dans le livre où il faut dire Maya pour activer les chaussures. Je sais pas ce qu'ils ont cherché à faire, mais en tout cas c'est, bah, c'est raté. Numéro 38, la présence de l'hydre. Ce point renforce l'idée que les deux livres ont été mélangés pour faire un seul film. En gros, il n'y a pas d'hydre dans Percy Jackson, le voleur de foudre, mais il y en a un dans La mer des monstres, qui se fera d'ailleurs dégommer par le bateau de Clarisse. En fait, ça montre juste que les scénaristes ne savaient pas du tout ce qu'ils faisaient, et qu'ils ne s'attendaient même pas à faire une suite. Numéro 39, Ares, il est où? J'aurais largement préféré qu'il retire l'hydre pour mettre Ares dans le film. Je sais pas, c'est un personnage légèrement important, non? Dans le film, il va quand même envoyer le Trilio à Denver pour aller chercher son bouclier, et ensuite, au retour des enfers, Percy va se battre avec lui. J'essaye plus trop de comprendre pourquoi ils l'ont pas installé à ce niveau-là du film, mais ça me dérange toujours. Numéro 40, l'hôtel Lotus. Alors ça c'est plutôt une scène respectueuse du livre, même si Las Vegas est décrit assez péjorativement dans le livre, alors que là on a l'impression qu'il est vachement mis en valeur. J'ai trouvé que Poker Face de Lady Gaga était bien adapté à la scène, mais ça part loin quand tu vois Grover danser avec ses sabots de chèvre. En soi, le fait qu'il soit un tombeur afro-américain qui aime traîner avec des top modèles, ça aurait pu marcher, mais c'est tellement à l'opposé du caractère de Grover dans le livre que ça en est effrayant. Grover est censé être un adolescent timide et gringalet, assez réservé, et ayant l'air un peu plus vieux que Percy. Là, le fait qu'il soit super confiant et sûr de lui, eh bien ça détruit un peu le personnage. C'est quoi un DVD? T'es sérieux? En tout cas pour moi, c'est le meilleur film de l'année, mec. Quoi? Attends, de cette année? Ouais, cette année, 1971. Numéro 41. Les gens bloqués dans les années 70. Un des rares points que j'ai apprécié dans le film, mais il faut quand même le soulever. Parce que oui, l'hôtel Lotus te divertit tellement que tu en oublies la raison pour laquelle tu es arrivé, et c'est assez fidèle au livre. Et c'est pour ça que des gens sont restés bloqués dans cet hôtel pendant des années. C'est d'ailleurs là que Bianca et Nico D'Angelo vont y passer 70 ans, si vous vous souvenez du troisième livre. Je trouve que le combat dans le casino n'est pas en trop, c'est une scène d'action plutôt divertissante on va dire. Attention de ne pas glisser, regarde où tu vas. Numéro 42, Hollywood. Je me demande bien pourquoi ils se sont sentis obligés de mettre ces fameuses lettres pour entrer aux enfers. Je vois deux explications. La première veut que le logo Hollywood soit là pour te rappeler que cette bouse a été pondue par Hollywood. La deuxième est que, quand tu regardes des films d'Hollywood, comme Percy Jackson par tout hasard, tu fais une descente aux enfers tellement c'est nul. Les vivants n'ont pas le droit d'entrer ici. Mourez et revenez me voir. Pigé, on va pas mourir et revenir, mais... Je vais vous dire. Je crois que je sais ce qu'il veut. Quoi? Numéro 43. Grover est finalement plutôt marrant. Il a réussi à me faire sourire deux fois pendant le film. Numéro 44. C'est quoi ce décor? On dirait un DIY tout pourri fait à la main, par des intermittents du spectacle sous-payés. C'est l'entrée des enfers. Faites en sorte que ce soit un moment marquant dans le film. Moi après je peux pas trop râler puisque la traversée des enfers est plutôt cool, il y a pas Cerbère, mais au moins on voit les fleuves des enfers, comme le Styx, et les rêves humains perdus qui flottent. Je n'ai jamais eu de satyre. Qui soit venu me voir. Perséphone! Qu'est-ce qui peut bien te prendre autant de temps? Ne fais pas comme si je n'étais pas là. Numéro 45, Perséphone. Le film se passe en juin. Perséphone devrait être retournée à la surface si je ne m'abuse.
Alors qu'est-ce qu'elle fout là? D'ailleurs, Hadès ressemble à un dark métalleux. Je me faisais presque cette représentation de Dionysos quand je lisais les bouquins. Allez, ça va. Allez, enlève-moi. Numéro 46. Alors là, le film part en steak et j'ai même pas envie de commenter entre l'éclair caché dans le bouclier de Percy, Perséphone qui s'en sert pour mettre Hadès KO et Grover qui reste avec elle. Là, je peux que abandonner. Percy Jackson! Tu n'étais pas censé t'en tirer vivant. Je ne peux pas te laisser emporter cet éclair sur l'Olympe. Je suis le voleur de foudre. Numéro 47. Luke, qu'est-ce qui glande là exactement? Déjà, la scène est niaise. Et en plus, c'est sacrément cliché. Le méchant miroir entre guillemets avec le héros. On a vraiment droit à ça tout le temps? Il a lui aussi une paire de chaussures volantes. Et du coup, ça va donner lieu à un combat final, ma foi, extrêmement impressionnant. Numéro 48. D'ailleurs, où est Chronos? C'est lui dans le livre, le vrai méchant. C'est lui qui a manipulé Arès et Luke pour créer la guerre. Là, on n'en laisse aucune trace. Tu peux même pas savoir si Luke a volé l'éclair pour Chronos ou s'il l'a fait pour jouer à son remix dégueulasse de COD, sérieusement. Numéro 49. Allô les CGI? Alors que l'Olympe est plutôt réussi en termes d'effets spéciaux, le combat final entre les deux dudes random, eh bien ça se voit que c'est numérique quoi. Regardez-moi ça, c'est dégueulasse! À qui le tour? Je crois que j'aimerais bien tenter le coup. Numéro 50, oh non, pas deux fois la même scène sérieusement. Arrêtez de rendre tous les moments où Annabeth apparaît à l'écran cringe. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo assez longue sur Percy Jackson. Elle m'a pris vraiment énormément de temps. Donc pour vous dire, j'ai regardé le film en mai, j'ai pris des notes sur mon téléphone de tous les points qui allaient pas. Et ensuite, j'ai écrit la vidéo en juin et j'ai commencé à la monter en fin juin. Et on est en août. Et du coup, je faisais aller environ une heure de travail, peut-être tous les jours dessus. Donc ouais, ça m'a pris pas mal de temps, peut-être une trentaine d'heures. Du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Du coup, moi, je suis un gros fan de la licence Percy Jackson, comme je vais vous montrer tout à l'heure. Et du coup, j'attends avec impatience le cinquième, Les Travaux d'Apollon, qui serait normalement le dernier livre. Des chroniques en fait dans l'univers de Percy Jackson. Donc normalement ce livre il va sortir en septembre. Donc voilà tous les livres, les héros de l'Olympe, les Kane Chronicles, les Magnus Chase, les Percy Jackson avec Demigod and Magicians, les Travaux d'Apollon et puis un petit peu le reste des bouquins. Donc ça fait une grosse pile quand même, hein, assez haute. Voilà, c'est magnifique.